Bonjour à tous. Combien ont été bénis ce matin lors du temps de louange? Alléluia. On peut acclamer le Seigneur, il est déjà là. Sa gloire est dans ce lieu. Amen. Alléluia. Alléluia. J'avais envie de continuer puis ne pas prêcher. Je me disais, on va refaire un temps de louange. Mais je pense que le Seigneur est intentionnel et il veut vraiment qu'on comprenne ce qu'il est en train de faire et ce qu'il veut encore faire dans nos vies. Et ce matin, il a déjà prié. Pendant la louange, Pasteur Bruno a amené une partie au niveau de Ézéchiel 47. Mais moi, je retourne en arrière à Ézéchiel 44. Le Seigneur nous a parlé cette semaine à la prière et je pense que c'est pour quelqu'un ce matin. Donc, j'aimerais juste partager la parole prophétique qu'on a reçue. Puis ensuite, je pense aussi que le reste est prophétique. Donc, juste restez alerte à ce que le Seigneur veut dire ce matin. Amen. Ésaïe 44, au verset 1 jusqu'à 9, il est mentionné. Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire, du côté de l'Orient, mais elle était fermée. Et l'Éternel me dit, cette porte sera fermée, elle ne s'ouvrira point. Et personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Elle restera fermée. Pour ce qui concerne le prince pourra s'y asseoir pour manger le pain devant l'Éternel. Il entrera par le chemin du vestibule de la porte et il sortira par le même chemin. Il me conduisit vers la porte du septentrion devant la maison. Je regardai et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et je tombai sur ma face. Et l'Éternel me dit, fils de l'homme, sois attentif et regarde de tes yeux, écoute de tes oreilles tout ce que je te dirai au sujet de toutes les ordonnances de la maison de l'Éternel et de toutes ses lois. Considère attentivement l'entrée de la maison et toutes les issues du sanctuaire. Tu diras aux rebelles à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, assez de toutes vos abominations, maison d'Israël. Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers, incirconcis de cœur et incirconcis de chair, pour profaner ma maison. Vous avez offert mon pain, la graisse et le sang à toutes vos abominations. Vous avez rompu mon alliance. Vous n'avez pas fait le service de mon sanctuaire, mais vous les avez mises à votre place pour faire le service dans mon sanctuaire. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Aucun étranger incirconcis de cœur et incirconcis de chair n'entrera dans mon sanctuaire. Aucun étranger qui sera au milieu des enfants d'Israël. Ce matin, j'aimerais te dire, le sanctuaire dont on parle, la maison dont on parle ce matin, c'est ton cœur. Et ce que Dieu est en train de dire, c'est de ne pas laisser aucun étranger rentrer dans ton cœur à part lui. C'est juste lui qui a le droit de s'y asseoir. Et personne ne peut entrer parce qu'il est entré dans ton cœur. Ce matin, ce que je veux t'appeler à faire, c'est de trancher entre le bien et le mal dans ton cœur. Parce que le Seigneur a parlé. Il y a des choses que tu laisses, que tu deals avec, et le Seigneur dit, tu as besoin de faire un choix définitif. Tu as besoin de dire oui Seigneur ou non Seigneur. Mais il ne veut pas avoir d'étrangers dans ton cœur. Les premiers destinataires de ce texte, c'est le peuple d'Israël. Mais en second lieu, Dieu, il parle à nous prophétiquement. Il est en train de dire, je ne supporte plus que tu laisses entrer des choses dans ton cœur et que tu sois partagé dans ton cœur. Je veux ton cœur tout entier et je veux y régner pleinement.
Alors ce matin, si cette parole c'est pour toi, je sais que j'aime bien parler de l'amour de Dieu, qu'il est bon, mais il y a des fois où est-ce qu'on a besoin d'être clair puis de dire les vraies affaires. Quand on parle d'abomination, souvent les gens vont penser à des péchés sexuels. C'est peut-être même pas ça. Mais c'est où tu te situes dans ton cœur et dans ta relation avec Dieu, les choses que tu laisses comme transactions dans ton cœur. Et le Seigneur dit, ça suffit que des étrangers puissent atterrir comme ils veulent dans ton cœur et faire ce qu'ils veulent. Tu as besoin de prendre une décision claire, de marcher pour Dieu ou de marcher dans tes propres voies. Mais choisis ce matin. Qui tu vas servir. Amen. Seigneur, je te prie que cette parole, Seigneur, puisse trouver place dans les cœurs, puisse trouver une cible et que tu puisses convaincre un cœur ce matin de marcher pleinement avec toi au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur, il avertit jamais à la légère. Il sait pourquoi il donne des paroles comme ça. Et je t'encourage, si c'est toi, à ne pas tarder à mettre ta vie en règle avec Dieu. Et c'est lui en plus qui va t'aider à le faire. Amen. Alors ce matin, j'aimerais vous partager concernant 2 rois 7. Pourquoi je veux vous emmener ça? C'est que je veux m'aligner encore avec qu'est-ce que Dieu dit qu'il fait. Et la semaine passée à la prière, cette parole a été donnée. Et toute cette semaine, je me préparais, puis je cherchais autre chose à dire. On a navigué avec mon mari, on était dans Ézéchiel, et puis le Seigneur, il me ramenait à 2 rois 7. Et donc, ce matin, je vais vous partager ce qu'il veut nous dire à tous ce matin, et qu'on puisse faire des choix dans nos cœurs encore, par rapport encore à la saison dans laquelle on est. La dernière fois, je vous ai fait comme l'historique de ce qui prend place depuis quelques semaines. Qu'est-ce que le Seigneur mentionne, les choses qu'il veut qu'on ne garde pas dans notre cœur parce qu'on ne peut pas jouer avec ce qui concerne la gloire de Dieu. On s'habitue à la présence de Dieu, on vient dans la présence de Dieu, le voile a été déchiré. Mais quand on parle de la gloire manifeste de Dieu, on ne peut pas traiter ou fonctionner comme on veut. On a besoin d'avoir un honneur pour le Saint-Esprit, un honneur pour son action au milieu de nous. Amen. Alors, dans 2 rois 7, il est mentionné, c'est Élisée qui va parler, il dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle. À la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée dit, tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à rentrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Éthiens et les rois des Égyptiens pour nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Et le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements.
et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent pénétrer dans une autre tente. Ils en emportèrent et en emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y avait personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés. Les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, « Je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons et nous entrerons dans la ville. » L'un des serviteurs du roi dit que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée. Ils sont comme... mon texte s'est répété. OK. Et on prit 2 chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée en disant « Allez et voyez ». Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain, et voici toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Gardez ça en tête. Toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un sicle et 2 mesures d'orge pour un sicle selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait, mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi avait entendu. Était descendu vers lui. Donc on se rappelle qu'il avait dit, même quand le ciel s'ouvrirait, pareille chose arriverait-il. Et Élisée lui a dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. C'est en effet ce qui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Donc dans ce texte, on voit des points sur lesquels je veux juste mettre une attention. Et ensuite, on va prier. D'accord? La semaine passée, à l'intercession, un des intercesseurs a reçu ceci. Je vois un champ où il y a des vêtements et des objets qui traînent. Il y a eu un combat, mais les butins sont restés et on pouvait venir ramasser le tout. La bataille a été gagnée et l'ennemi a été dissipé et disséminé. Il ne restait qu'à venir prendre tout ce dont on avait besoin. Ça, c'est la parole que nous avons reçue à l'intercession la semaine passée. Et donc, juste avant de sortir de la pièce, il y a pasteur René Arthur qui dit, ces phrases comme elles sont écrites, comme elles ont été dites, est écrites dans 2 Rois 7. Et donc, on est venu faire le culte, puis on attendait, quand est-ce qu'on va le raconter? Puis le Seigneur me disait, le texte est long à lire, je veux que tu lises tout le texte. Et donc, on a attendu. Et je crois que le Seigneur veut parler à quelqu'un ce matin. Et ce que je veux juste détailler, c'est l'attitude de chaque pan des personnes, chaque niveau des personnes dans ce texte. Leur attitude est importante. OK? Ça vous va? Donc, on rentre dans une saison où est-ce que le Seigneur dit, les cieux sont ouverts, la bataille, je l'ai déjà gagnée,
Ta bataille, je l'ai déjà gagnée, tu n'as rien à faire. Viens, saisis la bénédiction que je rends disponible. Et je vais vous dire une autre vision qu'on a eue, c'est qu'on a vu qu'il y a un nuage rempli de choses prévues d'avance que Dieu veut relâcher, mais qui sont retenues jusqu'à maintenant. OK? Ça va? Et donc, moi, je vais vous dire, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça soit relâché? Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit avoir comme attitude pour aller ramasser notre butin et en profiter? Et qu'est-ce qu'on fait après avoir ramassé nos butins? On va voir comment les lépreux ont réagi, comment la foule a réagi, comment le roi a réagi, et comment chaque niveau a son importance pour Dieu. Ça va? OK. Le contexte de cette histoire dont je viens de vous parler, c'est le roi dont on parle ici, c'est le roi Joram. Et la Bible va nous dire qu'il a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, parce que c'est le fils de Akab. Et il va agir comme son père et sa mère. Et donc, il y a une famine qui vient dans le pays. La famine avait été déjà annoncée, mais là, il rentre dans cette saison-là, parce que juste avant, ils ont gagné la bataille et le camp des Syriens a été fait prisonnier. Et ils ont été aveuglés par le Seigneur. Et donc, on les a emmenés en Samarie. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont fait la fête, ils ont donné à manger à tous les soldats qu'ils ont retenus. Puis ensuite, ils les ont relâchés pour qu'ils retournent chez eux parce que le roi a demandé à Élisée, je vous fais un résumé court, qu'est-ce que je dois faire? Les frapperai-je? Et Élisée va dire, non, tu ne les frappes pas. Tu ne peux pas tuer des gens qui sont déjà tes prisonniers. Donc, ils les relâchent, ils s'en vont. Et ensuite, il y a un autre roi, Adab, il s'appelle, je vais vous dire le mot comme il faut, il s'appelle Adab, Anedeb. C'est ça, je pense que j'avais écrit. J'aime bien dire les choses comme elles sont. Okay. Il y a un autre roi qui vient, qui décide d'attaquer et d'assiéger Samarie. Et lui, c'est Ad-Ebed, en tout cas, c'est ça son nom. J'arrive pas à bien le prononcer. Mais, donc, il vient et il attaque. Et là, le roi, il est fâché contre Élisée. Il dit, c'est à cause d'Élisée, je vais couper sa tête. Donc, il envoie quelqu'un chez Élisée qui arrive devant chez Élisée. Et donc, le roi est en retrait. Il envoie d'abord ses officiers, ses serviteurs, qui vont arriver pour dire à Élisée, ben, on va te tuer, mon gars. Tu nous as mis dans le trouble. C'est de ta faute. Et Élisée le voit venir. Il dit, voici le fils d'assassin qui s'en vient. Le roi, c'est le fils d'un assassin, Akab, right? Il dit, il s'en vient pour m'ôter la tête. Dites-lui que, et donc il va parler, il va dire, voici ce que Dieu dit. Et c'est là qu'il annonce, la famine ce sera fini, puis il y aura une mesure d'orge pour un cycle, vous comprenez? Et donc il annonce que la famine va finir. Et donc à partir de là, lorsqu'il fait ça, c'est là que l'officier va dire, ben, même si le ciel s'ouvrait, ça ne pourrait pas arriver. Comment ça va arriver? Et il va lui dire ça. OK? Donc ici, on voit différentes réactions à la parole de Dieu. Et des fois, on a différentes réactions à ce que Dieu fait. Et on se rend par compte que notre attitude ou ce qu'on dit nous condamne nous-mêmes. On a l'officier qui va dire ça. Et donc, il ne va même pas pouvoir goûter à la bénédiction qui s'en vient. On a le roi et ses serviteurs qui va mal interpréter ce qui a été dit et qui va dire que non, c'est un piège. Donc, on va envoyer des gens pour aller voir si c'est vrai. Et ensuite, on a l'incrédulité. Hein? L'incrédulité de l'officier va l'emmener à sa perte.
Donc, parfois, on a des gens qui ne veulent pas adhérer avant de voir, comme des Thomas, avant que ça fonctionne. Si ça fonctionne, je vais adhérer. Mais Dieu, il ne fonctionne pas comme ça. La foi ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'a pas besoin de te donner des preuves pour que tu adhères à ses promesses. Et on a aussi la considération des gens qui rentrent dans la bénédiction et qui ne prennent pas soin de ceux autour d'eux. Même si la parole avait été dit que l'officier doit mourir, malheur à celui par qui cette mort-là est arrivée. C'est que la foule n'a pas pris soin de son officier. Ils ont marché dessus pour aller prendre leur bénédiction. Et on va voir ici que les gens qui ont bénéficié de la bénédiction, ce sont des lépreux en premier qui ont touché à la bénédiction, qui ont touché au butin. Combien des fois Dieu veut utiliser ce qu'on trouve méprisant, ce qu'on trouve non touchable, parce que dans l'Ancien Testament, un lépreux, c'est quelqu'un qui a péché. C'est quelqu'un de qui va être isolé du reste du camp. Ils ne sont pas dans la ville parce qu'ils ne peuvent pas rester avec les gens, mais ils ne sont pas non plus avec les ennemis. Donc, peu importe où ils s'en vont, ils sont voués à la mort déjà. Ils n'ont rien à perdre. Et dans la saison qui vient, Dieu cherche des gens qui n'ont rien à perdre. Que je meure ou que je vive, je vais marcher pour Dieu. Que ça aille ou que ça aille pas, je vais marcher pour Dieu. Les lépreux, c'était ça leur mentalité. Et ils sont rentrés dans une bénédiction avant les autres. C'était de ceux qu'on n'a même pas regardé, on n'a même pas suivi, on les a vus courir, aller dans le camp des Syriens. Tout balle pour eux, ils vont mourir là-bas. Mais c'est eux qui ont touché les premiers à la bénédiction. Deuxième réaction des lépreux, c'est qu'ils ont touché à la bénédiction. Ils ne l'ont pas gardé juste pour eux. Ils ont caché deux fois les butins, puis après ils se disent, on agit mal. On doit répandre cette bonne nouvelle autour de nous. Combien de fois on vient à Christ, on a des bénédictions, Dieu nous bénit, il nous touche profondément, il fait des choses merveilleuses, mais on refuse d'ouvrir la bouche pour dire la bonne nouvelle. Parfois même on va croire plus en ce que fait l'ennemi qu'en ce que fait Dieu, et on ne va pas donner la gloire à Dieu, on ne va pas répondre cette bonne nouvelle de ce que Dieu fait dans nos vies. Combien ici savent que lorsque tu déclares ce que Dieu fait dans ta vie, lorsque tu déclares que là Dieu est en train d'agir, là je suis en train de me relever, que toi-même tu es fortifié à l'intérieur, mais il y a quelqu'un autour qui va goûter à la bénédiction à cause de toi. Il y a toute une foule, toute une ville qui a goûté à la bénédiction parce que les lépreux sont revenus. Ils l'ont dit. S'ils n'avaient rien dit, la foule n'aurait pas goûté à la bénédiction. Vous saisissez? Donc, sur ton chemin, Dieu, il a répandu les vêtements de ton ennemi. Il te montre que tu peux marcher sur ses vêtements jusqu'à ton butin. Mais certains, vous refusez d'aller jusqu'au butin parce que vous êtes incrédules. Dieu vous a délivré, il a ouvert la prison, il a ouvert la cage, mais vous restez en prison. Et ce matin, ce que je veux te dire, c'est mets le pied dehors. Sors de là. Sors de là. Tu es libre. Commence à danser pour Dieu. Commence à marcher. Sors de ta prison. Parce que tu as été libéré à un grand prix. Il faut avoir de la considération pour ce que Dieu est en train de faire dans ta maison. Il faut que tu aies de la considération pour les petites victoires qu'il est en train de faire, parce qu'il y a des plus grandes victoires qui t'attendent. Mais si tu ne sais pas goûter à la petite victoire que tu as eue, la plus grande aussi, tu vas mépriser. Tu as besoin de changer de perspective, d'ouvrir tes yeux et de voir que la bataille a été gagnée. Parfois, on est tellement habitué à se battre que même quand la bataille est finie, on se bat dans le vide. Ce matin, je crois que c'est pour quelqu'un. Tu as besoin de lever la tête puis de regarder autour. Il n'y a plus d'ennemis. Il n'y a que toi qui se bats, et même parfois contre toi-même.
faut lever les yeux puis voir la victoire que Dieu t'a octroyée. Le butin est disponible, il est là. Ramasse, prends et mange. Rentre dans l'abondance de Dieu. Rentre dans sa victoire. Rentre dans ton réveil personnel. Je veux te dire ce matin, ce que Dieu te dit, c'est que la bataille n'a jamais été la tienne. C'est sa bataille. Dieu a gagné, il te donne le butin. Maintenant, comment tu vas gérer la bénédiction? Est-ce que ça va être un pillage? Ce qu'on voit, c'est que la ville est sortie, la Bible dit qu'ils ont pillé. Tellement ils ont pillé, ils n'ont pas vu que leur frère, leur officier était à la porte. Ils ont marché dessus. Comment on va gérer ce que Dieu nous donne? Est-ce qu'on va gaspiller? Est-ce qu'on va disposer comme des bons intendants? Il y a eu plusieurs réveils dans l'histoire. Et ce qu'on nous dit, ce n'est pas que les réveils n'étaient pas bons, mais la gestion du réveil a été un problème. Comment on va gérer le miracle dans notre maison? Et ce matin, je veux parler à des femmes qui vont peut-être tomber enceintes, qui vont avoir des enfants. Lorsque Dieu te donne ce miracle d'enfant ne peut pas devenir ton idole après. Il faut redonner la gloire à Dieu. Cet enfant appartient à Dieu, il ne t'appartient pas. C'est un prêt. Parfois, on est tellement focusé sur le fait qu'on a eu un miracle, que ça devient notre idole, puis on ne nous voit plus dans le service, on ne nous voit plus nulle part. On est concentré à regarder notre miracle. Mais il y a d'autres miracles qui sont là, qui attendent, qui sont là dans un nuage que Dieu veut relâcher. Mais on est concentré sur ce qui s'est passé hier. Mais hier, c'est juste un aperçu de ce qu'il veut faire demain encore, de ce qu'il veut faire dans ton aujourd'hui. Mais tu es tellement concentré sur ce qui s'est passé hier, même aujourd'hui, tu n'en profites pas. La parole de Dieu nous mentionne de fêter chaque victoire. Si on lit l'Ancien Testament, chaque chose Dieu demande de fêter. Fêter la sortie d'Égypte, faites des fêtes. Faites chaque victoire que ton enfant a à l'école. S'il avait l'habitude d'avoir 50, il a eu 60, faites. Fais la fête, parce qu'il va s'en souvenir qu'à chaque victoire, tu l'as fêtée. Et Dieu va se souvenir qu'il t'a confié petit, que tu l'as géré, tu as témoigné et que tu as pris ça en considération. Il va te donner plus, il va t'en confier aussi plus. Je veux vous rappeler ce matin que Dieu ne nous doit rien. Chaque chose qu'il fait dans notre vie, c'est grâce. Ce sont des privilèges. Il nous bénit. Ce matin, on a besoin de retourner à être des gens reconnaissants de ce que Dieu fait dans nos vies. Il est tout puissant. Il est glorieux. Et ce matin, même si tu n'as pas encore vu l'accomplissement de ta promesse, laisse-moi te dire qu'il est celui qui dit et la chose arrive. Il est capable de créer des choses nouvelles, de les amener à l'existence promptement, rapidement, alors que ça fait des temps que tu attends. Quand ça arrive, sois prêt. Je vais vous donner rapidement le témoignage de mon cousin. J'ai un cousin, il a été élevé dans un foyer chrétien. Il a rencontré sa femme dans l'église. Sa femme venait de donner sa vie au Seigneur. Ils se sont mariés. Pendant 10 ans, ils ont attendu pour avoir un enfant. Pendant 10 ans. Et le Seigneur lui disait, quand je vais te bénir, je vais te bénir en double. Lui, il pensait que c'était, il cherchait une maison. Il dit, je vais quitter mon appart, Dieu va me bénir, peut-être qu'on va avoir 2 autos. Il pensait même plus au fait d'avoir des enfants parce que ça traînait, il est devenu pasteur. Puis il disait, les enfants que Dieu va me donner, c'est des enfants spirituels. On parlait comme ça et puis il disait, on n'a pas d'attente à ce niveau-là. Et puis à un moment donné, sa femme a été rencontrée en libération, on a prié et le Seigneur a pourvu. Mais quand elle est enceinte, elle va faire son écho des jumelles.
Et donc, ils sont contents. Ils disent, bon, on arrête là, on a des jumeaux et tout. Et puis, le Seigneur dit, mais je ne fais pas un miracle une seule fois. Je vous avais dit de vous préparer parce que ça va être intense. En 3 ans, ils ont eu 4 enfants. Et tous à presque 10 mois, 1 an de différence. Et je me souviens, ma belle cousine qui me parle, elle était blanche comme un drap. Mais elle est québécoise. C'est pour ça que je dis, elle était blanche comme un drap. Elle était si pâle, puis elle disait, je suis enceinte. J'ai dit, Dieu, il t'avait averti, ma belle. Là, tu vas sortir ton sourire, puis on va tous t'aider. Mais tu vas prendre ta bénédiction, puis tu vas te réjouir. Mais ce n'est pas facile de se réjouir quand tu ne files pas, là. Mais aujourd'hui, ils ont 4 enfants. Je pense que la dernière a 1 an. Puis le petit garçon a 2 ans. Puis les filles, elles viennent d'avoir 4 ans. Donc, c'est tous en bas âge. Puis 4 enfants pleins de vie. Alors, quand Dieu dit quelque chose, des fois, après, quand la bénédiction arrive, elle n'arrive pas toute seule. Elle arrive avec plein d'autres miracles qui accompagnent, des turbulences autour. Et on apprend que dans ces turbulences-là, on donne encore gloire à Dieu. Seigneur, c'est difficile ce matin, mais Seigneur, c'est toi qui m'as donné cette bénédiction. Je te bénis encore. Je prends mon butin. J'en parle. Je dis que Dieu a fait. Je le dis et je le répète autour de moi afin de voir ta main accomplir d'autres miracles autour de moi. Il faut que tu agisses autour de moi. Ce que tu as fait pour moi, tu vas le reproduire encore. Dieu t'a béni financièrement. Dis-le à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, que Dieu est capable d'intervenir dans les finances. Dieu t'a donné un enfant, dis-le à quelqu'un que Dieu est capable de créer même un enfant dans le ventre. J'ai fait un rêve, puis j'étais en train de prier pour des enfants, puis Dieu il me dit, viens, on va créer des bébés ensemble. Je fais, ça se peut pas, créer des bébés. Non, toi tu crées des bébés, moi je te suis. Puis il m'a dit, non, tu vas faire avec moi. Donc quand je prie pour que quelqu'un ait des enfants, je nomme chaque détail. Je nomme chaque détail, que le sperme rencontre l'ovule, que les cellules se forment, que ça s'incruste dans l'utérus, que ça reste en place jusqu'à la naissance, que ça reste le temps que ça doit rester. Je prie pour chaque détail. Je m'excuse si je rentre dans votre intimité, mais c'est comme ça que Dieu parle. Il nomme les choses par leur nom et on commande au corps de faire ce pourquoi il a été créé. Ce matin, non seulement tu prends ton butin, mais commence à commander. Commence à marcher dans ton autorité. Il y en a un qui a fait le combat pour toi. Tu n'as plus à parler à ton ennemi. Donc là, commence à amener à l'existence par la parole de Dieu ce qui n'existe pas. Ce qui n'a pas encore pris place dans ton foyer, commence à déclarer les bienfaits de Dieu sur ce qui semble encore désuet, sur ce qui semble encore ne pas avoir pris vie. Commence à déclarer la vie. Commence à déclarer, puisqu'il m'aime, puisqu'il connaît mon nom, il me tient sur les mains, dans ses mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Commence à déclarer ces choses dans ta vie. Si tu es combattu, commence à déclarer que l'ange de l'Éternel campe autour de toi et il t'arrache au danger. Parce que c'est lui qui combat pour toi. Et toi, prends ton butin, avance. Prends ton butin ce matin et avance. Prends ton butin et parle à quelqu'un. Je ne sais pas si tu dis, ben, je suis comme les lépreux, personne ne me voit. Je suis comme les lépreux, que je meurs si je meurs. Ben, c'est des cœurs comme ça que Dieu recherche. Si tu n'as rien à perdre, tu peux commencer à croire en lui. Si tu te dis dans cette saison que je meurs si je dois mourir, vas-y, confie-toi à celui qui a la vie. Il va déclarer la vie. Là où toi, tu penses que la mort a pris place. Il va commencer à te dire, non, tu vas dire ça. Écoute ce que je fais là-haut, puis fais-le. Jésus a dit quoi? Il a vu son Père faire et il a fait. Écoute et entends ce qui est fait là-haut, puis commence à le faire sur terre. On est appelé à établir
le royaume des cieux sur terre. Peu importe qui est mon ennemi, peu importe ce qui vient contre moi, Dieu m'a établi pour établir le royaume des cieux. Dans le but d'établir le royaume des cieux. Je suis dans un autre royaume que cette terre. Les choses qui concernent la ville, qui concernent cette terre, les lois de cette terre n'ont aucun impact sur moi parce que les lois qui régissent ma vie, ce que je mets en ordre dans ma vie, ce que j'inculque à mon âme, c'est ce qui concerne la parole de Dieu. La loi de Dieu doit devenir ma loi. Sa parole doit devenir ma parole. Ce que lui dit, c'est ma déclaration. Donc ce que Dieu dit, c'est ta déclaration ce matin. Ce que Dieu dit, c'est ton affirmation ce matin. Tu es enfant de Dieu. Personne ne peut venir dire le contraire. Parce que Dieu, quand tu t'es donné à lui, il a dit, celui-ci, je le prends. Je le rachète à grand prix. Mon sang a coulé. On m'a piqué sur les côtes. On m'a rentré quelque chose dans les côtes. L'eau et le sang sont sortis parce que toi, tu existais. Dans le sein de Dieu, tu existais déjà à la croix. Alléluia. Ce matin, s'il y a quelqu'un qui doit reprendre vie, qui doit se relever, si c'est toi, saisis ton butin ce matin. Dieu veut relâcher des bénédictions insoupçonnées. On a besoin de se faire violence puis dire c'est mon tour de manger aussi. C'est mon tour de m'asseoir aussi autour de la table. Puis de commencer à festoyer. Parce que l'Éternel des armées est de mon côté. Il est pour moi. Parfois, on déclare des choses en chantant, mais on n'y croit pas. On a besoin d'enlever l'incrédulité de nos vies, d'arrêter de nous aligner avec des pensées qui sont du monde, des ténèbres. Ce sont des pensées du diable. On doit les confronter et non s'y aligner. Ce matin, mon cœur, c'est que des pensées soient renouvelées. Confronter les faux raisonnements et les murs que tu as mis devant toi. Vous savez, quand c'est nous qui mettons des murs devant nous, disons, personne ne va faire ça dans ma vie, personne ne va me toucher là, Dieu, il ne va pas l'enlever, le mur. C'est toi qui dois demander des outils au Saint-Esprit pour enlever le mur. Parce que c'est toi qui l'as érigé. Dieu, il ne va jamais à l'encontre de notre volonté. Ça prend que toi, tu veuilles et que tu fasses tomber les murs. Tu dis, Seigneur, agis. Viens, agis dans mon cœur. Fais telle chose. Moi, une de mes prières, c'est, Seigneur, contrains-moi à t'aimer. Je sais que Dieu ne contraint personne, mais moi, je lui donne la permission de me contraindre à l'aimer. Contrains-moi à aimer les gens. Au-delà de l'offense, je dois aimer. Contrains-moi à aimer ton peuple. Montre-moi comment aimer ton peuple. C'est à moi de décider d'aimer. Jésus ne va jamais m'obliger à aimer quelqu'un. Il y a des choses dans nos vies qu'on doit vraiment confronter à la lumière de la parole. Qu'est-ce que Dieu me dit dans la parole? Avant de dire je veux une parole prophétique, commence à laisser la parole de Dieu toucher ton cœur. Parce que toutes les paroles prophétiques du monde, s'ils ne sont pas alignés à la parole pour toucher ton cœur, ça ne vaut rien. Vous savez, quand les gens me disent, j'entends la voix de Dieu, j'ai pris du temps, j'ai entendu la voix de Dieu, ma première question, est-ce que tu lis ta Bible? Parce que tu peux entendre, puis c'est dérisoire ce que tu as entendu, puis ça ne vient pas du tout de Dieu. Puis que ça s'aligne avec ton cœur. Parce que la parole ne s'aligne pas avec notre cœur. Notre cœur s'aligne à la parole de Dieu. Ce matin, ta bataille, ce n'est pas la tienne, c'est la bataille de Dieu. Et il se bat pour toi. Le camp des Philistins ou des Assyriens ou des générations ou peu importe ceux qui t'attaquent, ce camp-là, Dieu s'en charge. Dieu s'en charge, peu importe l'autorité qui s'élève devant toi, il n'y a aucune autorité qui surpasse l'autorité de Jésus-Christ ce matin.
Peu importe ce qui veut te faire peur ou te contraindre, il n'y a rien qui surpasse Jésus-Christ et son amour. On a besoin de saisir ça et de dire, Seigneur, moi aussi je vais prendre mon butin. Moi aussi je vais y aller. Ce matin, je veux faire un appel, puis c'est tout simple. Si c'est ton cas ce matin, tu dis, je suis dans des situations difficiles, puis j'y ai cru souvent, puis j'ai cru que c'était fini, puis ça recommence, c'est comme des cycles. Puis tu vois des petits changements, mais ce n'est pas énorme. Puis tu as l'impression que c'est des petits changements non significatifs, puis que ça ne va pas faire grand-chose pour toute la situation. Mais c'est quand même des choses que Dieu fait, et des fois Dieu prend des processus pour agir. Puis ce matin, je veux t'inviter, si c'est ton cas, à ce que tes yeux spirituels puissent s'ouvrir et que tu vois d'un niveau spirituel et non du côté charnel. Donc ce matin, si tu veux juste dire, Seigneur, oui, c'est vrai, il y a des changements, mais j'aimerais que tu fasses plus. J'aimerais qu'on aille plus loin. Comme Pasteur Bruno disait, l'eau est au genou, peut-être à la cheville, mais il veut t'emmener plus loin. Il veut faire des changements majeurs qui demeurent. Et quand Dieu veut que ça demeure, il prend son temps pour que ça demeure réellement, que ça ne soit pas un feu de paille dans ta vie. Ce matin, si tu dis, moi, je veux un changement de vie, je veux changer, je veux être comme ces lépreux qui ont couru, qui ont été prendre le butin, ils ne se sont pas posé de questions, ils n'ont pas analysé la situation, ils ont pris les butins. Si tu veux être comme ça ce matin, tu peux te préparer, je vais faire quand j'aurai fini les appels, tu pourras te lever. Tu dis, Seigneur, Dieu a agi, t'a béni, mais t'es pas habitué à l'abondance. Tu as un cœur d'orphelin. Donc la bénédiction ne rentre juste pas. Puis tout ce que Dieu fait, c'est comme jamais assez parce que ça va pas profondément dans ton cœur. Tu saisis pas tout ce que Dieu te met à disposition. Et tu aimerais que ta vision soit restaurée, que ton cœur soit restauré ce matin. Si c'est ton cas, je vais te donner la possibilité de venir à l'avant ce matin. Puis on va prier ensemble. Ce matin, Dieu veut que tu sois un témoin et que tu témoignes de ce qu'il fait dans ton privé, dans le secret. Dieu t'a révélé des choses, Dieu fait des choses extraordinaires dans ta vie. Mais tu sens comme s'il y avait un bâillon sur ta bouche. Et tu ne peux pas faire comme ces lépreux qui ont dit, je vais revenir. Puis je vais dire ce qui se passe. Je vais raconter la bonne nouvelle. Si c'est ton cas ce matin, je veux te donner l'opportunité de pouvoir juste dire, Seigneur, rends-moi libre de témoigner de toi. Rends-moi libre d'être un témoin efficace. Rends-moi libre de ne pas garder tout ce que tu fais pour moi, mais que je puisse le partager autour de moi et que d'autres puissent vivre ces bénédictions-là aussi. Donc ce matin, j'ai fait trois appels distincts. Si tu vis des situations difficiles, tu vois des changements mais ils sont minimes, puis tu aimerais que Dieu agisse, puis que ça prenne réellement place dans ta vie, tu veux te consacrer et entendre réellement ce que Dieu dit, et que tu ne sois pas juste au niveau charnel, mais au niveau spirituel, je t'invite à venir à l'avant ce matin. Ce matin, j'ai aussi dit, si tu es béni, mais tu n'es pas habitué à l'abondance, puis que tu refuses même la bénédiction de Dieu dans ta vie, puis tu ne te sens pas digne de recevoir de la part de Dieu, tu peux venir à l'avant parce que Dieu veut restaurer ta vision, restaurer ta perspective ce matin. Et le dernier, c'est si tu veux être un témoin de ce que Dieu fait, alors qu'il fait des choses dans ta vie, tu te sens retenu, tu veux témoigner, mais tu te sens retenu de ce que de témoigner. Je t'invite aussi à venir en avant. Tu veux être un témoin de Christ ce matin. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus.
Alléluia. Alléluia, Jésus, Jésus. Alléluia, Seigneur. Seigneur, on veut relâcher ton abondance dans ce lieu, à tous les niveaux, Papa. Au niveau financier, au niveau des situations de vie, Seigneur. On veut voir ta gloire dans chaque facette de nos vies, Seigneur. Alléluia. Jésus, Jésus. Tu nous réveilles, Seigneur, pour ta gloire. C'est que là-bas, Alléluia. Si tu es à ta place et que tu ne te sens pas nécessairement interpellé à venir à l'avant, ce que je vais te demander de faire, les enfants aussi, vous pouvez faire ça. C'est juste de tendre la main vers les gens qui sont à l'avant, puis de juste prier que Dieu les touche, que Dieu vienne intervenir dans leur vie ce matin. Que des décisions soient prises pour le Seigneur ce matin. Alléluia. Que des cycles soient brisés ce matin dans les vies. Que quelqu'un puisse attraper son butin ce matin et profiter de la bénédiction de Dieu. Alléluia, Jésus, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. J'ai invité les leaders qui sont dans la salle. Si vous pouvez juste, si vous n'êtes pas à l'avant pour qu'on prie pour vous, juste venir prier avec les gens. David, tu peux venir prier avec les hommes, prier avec les gens qui sont à l'avant. Alléluia. Alléluia. L'équipe d'intercession, ceux qui se sentent à l'aise de le faire, vous pouvez venir accompagner ces gens à l'avant. Merci Jésus. C'est que la papa chie sandara papa. Sourgara papa qui est sandara baki. Sokora papa chie c'est que. Alléluia Jésus. Shikara papa c'est que. Merci Jésus. Alléluia Jésus, Alléluia Seigneur, nous t'amenons nos cœurs ce matin Seigneur, nous t'amenons les vies ce matin Seigneur, Jésus tu viens Seigneur, Jésus, Seigneur nous reconnaissons que c'est toi qui combats pour nous Seigneur. Il y a quelqu'un dans cette salle, tu dois décider que tu ne reviendras plus en arrière. Que tu vas continuer d'avancer. Jésus,
tu remplis ce lieu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, on déclare la paix sur des gens qui ont des cauchemars la nuit, Seigneur. On défait ça maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Agis, Papa. Agis, Seigneur, dans les pensées. Alléluia. Tu restaures les cœurs brisés ce matin. Alléluia. Shikara baba baba seke shandai. Soriara baba kia shandai. Si tu l'appelles, se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Ce matin, si tu l'adores, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Yahweh. Se manifestera.
il se manifeste. Rapha, il se manifeste. Shaddai, il se manifeste. Jireh, il se manifeste. Il se manifeste. Rapha, il se manifeste. Jireh, il se manifeste. Shaddai, il se manifeste. Il se manifeste. Seigneur, ce matin, nous venons dans le camp de l'ennemi pour reprendre ce qui nous a pris. Nous allons dans le camp de l'ennemi et nous reprenons ce qui nous a pris. Alléluia, alléluia. Il se manifeste, Shaddai, il se manifeste, Jireh, il se manifeste, il se manifeste. Il se manifeste, Shaddai, il se manifeste, Jireh, il se manifeste, il se manifeste. Yahweh.
ce chant ensemble. Tu Seigneur, ce matin, on veut aller plus loin, plus haut avec toi. Seigneur, on veut saisir notre butin ce matin. On veut saisir nos bénédictions, tout ce qui était retenu dans les lieux célestes. Seigneur, nous déclarons, Seigneur, je prie maintenant que les cieux soient ouverts sur les vies maintenant. Que Seigneur, tu ouvres les yeux, l'entendement, que nos cœurs s'alignent avec ce que toi tu veux faire dans nos vies. Seigneur, on prie que ces cadeaux qui sont retenus soient relâchés maintenant dans le nom de Jésus. Que les foyers soient visités par ta gloire. Que tu visites quelqu'un, que tu visites une famille, que tu visites nos enfants. Seigneur, tu agis puissamment dans nos vies. Seigneur, nous acceptons ces bénédictions. Nous participons à ce que tu veux faire dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que, yes, quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia.